تصرف اليوم واش نختار مع اتحاد العام المقاولات في المغرب تجهب باش نشارك مع رواد الأعمال في مجال الرقمنة والسباكة التفاصيل ديال الاستراتيجية المغربية الرقمية 2030 نزيد نجاوب على تساؤلات اللي عندهم والتوضيحات اللي بغاو تكونوا عندهم باش تاهما يكونوا فاعلين في هذه الاستراتيجية المهمة. كانت فرصة أيضا للسجعين باش تطلق واحد العرض مهم من أجل الستارت اب المغربية وتشكر السجعين على التفاعل ديالها وعلى المشاركة ديالها في تفعيل استراتيجية مهمة لبلادنا. Notre pays a fait un bond considérable dans tout ce qui est technologique. Nous voyons que la digitalisation et tous les effets de positifs qu'amène la digitalisation dans notre pays. Maintenant, au niveau de la CGN, il offre pour les startups qui, on espère, vont évoluer. Nous avons besoin qu'elles évoluent dans cet environnement et créer un écosystème à travers le corridor CGN pour les aider à travers les administrations, que ce soit l'administration fiscale, l'office d'échange ou différentes administrations, c'est important. Et aussi, leur passer la première commande, inciter les entreprises de notre confédération à commander de chez ces startups et opérationnaliser un peu tout ce qu'ils ont créé. Aussi, nous les invitons à venir dans nos locaux, s'ils ont besoin pour faire du networking ou s'ils ont besoin d'avoir un espace de travail. Tout ça pour dire que nous portons une importance particulière à créer plus de startups dans notre pays. Et je pense que nos jeunes ont le potentiel de le faire et ont le potentiel de le réussir. Il suffit juste de leur créer un environnement, un écosystème qui leur permette d'évoluer.